Pour renouveler son best-seller Astra, Opel n'a pas fait dans la demi-mesure. Cette quatrième génération de la berline affiche un style plus affiné et dynamique dans la lignée de l'Insignia. Mais la plus grosse nouveauté, ce sont les dimensions. La nouvelle Astra a gagné 17 cm en longueur. Avec ses 4,42 m, elle relègue au rang de citadine bon nombre de ses concurrentes. Une fois installé, le conducteur découvre une planche de bord séduisante aux matériaux cossus. Dommage qu'Opel ait réuni au centre du tableau de bord l'ensemble des commandes de clim, autoradio et de navigation. C'est indigeste. Bon point en revanche, mais cher, l'option GPS Europe à 900 euros qui offre, en plus de la cartographie, toutes les fonctionnalités d'un guide touristique. Exit 1 litre 8 essence de 140 chevaux, Opel inaugure un inédit 1,4 litre de puissance équivalente. La consommation tombe ainsi sous la barre des 6 litres au 100 et le CO2 passe en zone neutre. Mais hélas, la boîte de vitesse n'est pas à la hauteur de ce moteur. Celle-ci vient en effet perturber les balades sur route vallonnée. Un peu moins agile, l'Astra se révèle toutefois plus confortable que son aîné. Les cotes revues à la hausse ne profitent pas à l'habitabilité, toutefois l'espace offert reste correct pour la catégorie. La coudoir centrale avant proposée sur les versions haut de gamme complique l'accès à la place centrale. Notez que le troisième appui-tête et la coudoir arrière sont uniquement proposés dans un pack facturé 150 euros. Le coffre de l'Astra conserve ses proportions, le volume est donc toujours dans la moyenne de la catégorie. Pour 60 euros, Opel propose un plancher réglable sur deux hauteurs. En position haute dans l'alignement du seuil, il facilite le chargement et une fois le dossier des banquettes rabattu, permet d'obtenir une surface quasi plane. Passons à la note, la nouvelle Astra affiche un rapport prix-équipement nettement plus compétitif que sa devancière. À motorisation et équipement équivalent, elle coûte 1000 euros de moins, ce qui la rend de fait plus attractive que ses rivales, françaises notamment. Tarif à partir de 16 700 euros en essence.